Bonjour. Qu'en êtes-vous? Vous voulez qu'on parle? Je suis de retour chez moi. J'arrive, je trouve beaucoup de divers, beaucoup de commentaires. Qu'en êtes-vous? Je vais déjà vous montrer, j'ai hésité à faire mes courses. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Connectez-vous, on va discuter. Je suis allée faire mes courses. Vous savez que j'adore la raclette. C'est pour faire la raclette. Je voulais manger du porc là. Je vais préparer le porc. Tout de suite. Allez, il y a mon goût. Ça, je fais ça tout de suite. J'ai déjà faim. Donc j'arrive, je trouve que mon image est partout dans les pages que j'ai déjà changé de blanc. Pour changer de blanc, il faut être efficace. Hein. Vous savez qu'il y a les filles en France qui n'ont pas d'homme dans leur vie. Vous savez ça? Vous savez qu'il y a les femmes qui ont la jachère en France? Qu'elle a fait 2 ans, 3 ans. Un homme ne lui a même pas dit bonjour. Est-ce que vous êtes au courant? Et moi, là où je suis là, les hommes ne font que me draguer et je les remplace comme on remplace les joueurs de l'équipe nationale. Vous allez parler. Nézard, vous m'avez traité de poisseuse ici, là, quand j'avais le problème avec mon ex-mari. Vous avez commencé à dire que je le supplie. Vous avez commencé à dire que les hommes ne m'aiment pas. Vous venez encore pleurer, pourquoi? Pourquoi vous venez encore pleurer? Oh, je sors avec les hommes. Vous avez vu que je sors avec qui? Mininga tourne ma bombe. Vous avez vu que je couche avec les femmes? Hein? Vous venez encore pleurer pourquoi? Quand j'avais eu les problèmes avec mon ex-mari, n'est-ce pas pendant longtemps vous avez dit que j'ai la poisse? Que je supplie les hommes? Maintenant que je vous confirme alors que je suis une vraie Camerounaise. Vous pleurez encore pourquoi? Quand je reste avec un homme, c'est pour qu'il me donne l'argent. S'il ne veut plus me donner l'argent, je le zappe. Je cherche un autre. En France, on paye des charges. Hein? En France, je paye des charges, moi. Moi, je paye la redevance audiovisuelle. Je paye la taxe d'habitation. Moi, je n'habite pas chez un homme, hein. Je paye tout ça. Et comment un homme va venir serrer la taxe sur moi? Il monte, il descend. Il veut qu'on le voit dans mes vidéos. Il ne veut pas donner l'argent. J'ai peur de lui. Au lieu de me féliciter. Au lieu de me féliciter, ma minga que mia quoi même. Vous avez cru que je suis quoi? Un boutoukou? Je vous avais dit non. Nga manga kamina. N'est-ce pas, je vous avais dit? Je vous avais dit non. Les filles qui ont la poisse, contactez-moi, je vais vous donner la solution. Je suis efficace à toutes les positions. Vous parlez de quoi? Quelle aligne de monde? Que j'ai fait quoi? Que je me gâte en beaux-arts? Donc c'est moi que vous mettez dans le buzz maintenant. Hey, oui. Attendez, je réchauffe ma nourriture. Que j'ai fait quoi? Vous commentez surtout. Merci pour les cœurs. N'est-ce pas, je vous avais dit que je suis efficace. Je vous avais dit non. Ngamanga Kamina.
Je peux même faire plus mal que ça. Je me respecte même. Vous connaissez combien d'hommes me draguent par jour? Aïe. Vous connaissez combien d'hommes me draguent par jour? Vous parlez de quoi? Vous ne savez pas qu'entre un Français et un Suisse, le Suisse a plus de valeur. C'est moi qui viens vous apprendre ça. Le Suisse touche le triple du salaire des Français qui n'aiment pas bien vivre. Le Suisse gagne plus que le Français. Donc vous croyez que je peux hésiter entre un Suisse qui me drague et un Français qui a déjà passé 2 ans à ronfler dans ma maison? Je prends le Suisse. Je suis venu perdre ma vie ici. Vous me payez combien? Chaque jour, vous me voyez en ligne. Vous me payez combien? Vous connaissez combien coûte ce manteau? Je vais acheter ça avec les dents. Vous vous croyez où? Vous parlez les affaires de qui? Que Alice, je sors avec les hommes. Et alors? Vous voulez que je sorte avec qui? Mine, il me bombe ça. Vous connaissez la maison sinon? Est-ce que j'habite chez un blanc? J'apprends que vous dites que j'habite chez un homme. Vous ne connaissez pas la maison aussi? Qui ignore ma cuisine? Mine yor l'idée. Qui ignore ma cuisine? Qui ignore ma cuisine? Vous parlez de quoi? Je sors avec les hommes, vous vous plaignez. Vous voulez que je sorte avec qui? Vous voulez que je couche avec qui? Je vous ai dit que je suis frigide. Je vous ai dit que je suis frigide. Est-ce que je vous ai dit que je couche avec les femmes? Je couche avec les hommes. Je suis dangereuse. Dès que je fais 2 ans avec un blanc, s'il ne me donne pas ce que je veux, je le remplace. Je vous informe. Et je ne peux pas faire qu'un Français et un Suisse me draguent. Je prends le Suisse parce que le Suisse a plus d'argent que le Français. Je vous informe. Donc ne vous étonnez pas. Pourquoi vous êtes dans l'étonnement? Vous êtes étonné pourquoi? 2 ans, je suis avec un homme. 3e année, je lui fais le bilan. Quand j'étais mariée avec Guy Manu, n'est-ce pas vous êtes venu dire que j'ai la poisse, que je pleure Guy Manu? Vous avez osé dire ça, non? Et je vous avais dit que vous ne connaissez pas le dossier. C'est moi qui chasse l'homme. C'est moi qui refuse les hommes à l'Inzomo, là où je suis là. Je suis à ce niveau. C'est moi qui refuse l'homme. Parce que je ne suis pas venue perdre ma vie en Europe. Mandi qui sont en Ningama en Europe. Vous m'amenez dans les pages de Congo ça. Vous voulez étouffer le problème des femmes qui couchent ensemble. C'est ça qui est choquant. J'ai 53 ans. Si je change un homme tous les ans, c'est normal. Vous savez que Fleur de Lille ne peut pas vous montrer l'homme qui a couché avec elle l'année passée. Parce que Fleur de Lille vend le piment. Ma Bangala vend le piment. Elle ne peut pas vous montrer l'homme qui a couché avec elle l'année passée. Je connais tous mes partenaires. Je peux appeler Alex Zomo. Il vient ici tout de suite. Je lui ai donné le congé. Parce que je vais changer d'homme. Vous parlez des affaires que vous ne connaissez pas. Alex Zomo, c'est mon ami. C'est mon petit frère. Je lui ai donné quelques vacances. Je fais ce que je veux. Vous voulez que je ne couche pas avec les hommes? Que je veux coucher avec quoi? Les animaux? Vous voulez que je couche avec les animaux ou les femmes? C'est là où vous allez me respecter. Laissez-moi continuer avec l'affaire des hommes. Ça m'intéresse. J'ai dit que ça m'intéresse. Vous perdez le temps à parler. Une vieille femme comme moi, vous parlez mes affaires d'hommes. Vous connaissez combien d'hommes prennent les chanteuses de Bikutsi par semaine? Arrêtez de parler de moi. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Koho, je paye la redevance audiovisuelle. Hein. Je paye la taxe d'habitation ici. Hein. Je n'habite pas chez un blanc. Donc je pars chez mon copain. Vous venez commenter ça sur Facebook. Vous avez dit que est-ce que les hommes embrassent? Non. Je voulais vous confirmer dans la confirmation que avant qu'on aille à la cave, on commence par la bouche. Vous parlez de qui? Vous parlez de quoi?
commenter sur tout. Vous êtes dans tous les sujets. Vous voulez parler de tout. Même de ce qui n'est pas important. On commente encore sur un homme qui couche avec une femme. Est-ce que c'est étonnant? Donc, un homme couche avec une femme, ça vous étonne encore. Vous êtes encore à ce niveau. Un homme qui couche avec une femme, ça vous étonne. Donc, Minine est étonnée. Vous êtes étonné que je couche avec les hommes. À mon âge, vous avez oublié que j'étais aux États-Unis pour aller coucher avec un homme là-bas. Vous avez oublié ça. Vous voulez vous intéresser à moi? J'ai écrit les livres, vous n'achetez pas. Vous commentez sur ma sexualité. Je n'ai pas écrit les livres pour gagner de l'argent. Vous avez acheté les livres là. C'est ma sexualité que vous voulez commenter sur Internet. Jamais vous ne parlez de moi par rapport à mon travail. Vous contrôlez mes fesses. Ce sont mes fesses que vous voulez contrôler. Vous ne parlez jamais de mon travail. Je suis une star sur TikTok maintenant avec plus de 60 000 abonnés. Vous ne parlez pas de ça. Vous venez commenter ma sexualité. Est-ce que vous êtes sérieux? Une femme de 53 ans, ce n'était même pas une partouze. Je suis encore en train de faire la bise avec un homme. Vous commentez. Est-ce que c'était une partouze? Vous savez que je n'ai jamais fait de partouze là où je suis là. Vous savez ça? Vous savez que les jeunes Camerounaises sont en train de coucher ensemble et font des partouzes? Vous venez commenter ma sexualité que j'ai remplacé un Français avec un Suisse. Ça vous énerve? Vous commentez. Vous êtes sérieux sur Facebook? J'ai écrit les livres. Vous n'achetez pas les livres. Je fais les sketchs. Vous ne payez pas. Noël approche. Pas de cadeau. C'est ma sexualité que vous venez commenter. Vous êtes sérieux? Vous commentez ma sexualité parce que j'ai remplacé un Français avec un Suisse. J'ai peur de vous. Vous envahissez Internet avec des comédiens féminins. Il y a un autre qu'on est en train de nous montrer là. Il est torse nu avec un sale short et des sales sandalettes. C'est ça que vous voulez envahir Facebook avec. Vous commentez ma sexualité. Vous m'amenez dans les pages de Kongosa pour commenter que j'ai changé un homme. Vous n'avez pas honte après un an. Est-ce que Fleur de Lille peut vous montrer l'homme qui a couché avec elle à la même période? Et j'ai passé 2 ans ici avec Alex Zomo. Ça fait 2 ans que j'étais avec lui. 2 ans. J'ai fait 2 ans avec lui. Ce n'est pas 1 an. Dimitri Meka, j'ai fait 2 ans avec lui. Hein? Vous empestez Facebook avec un sale garçon qui a un short et des sandales. Il ne se lave pas. Vous voulez nous imposer ça comme vedette? Il a en train de faire une comédie. Des petits comédiens camerounais qui sont habillés en femme. Vous nous pompez l'air avec ça. Jamais vous me montrez mes comédies. Vous venez commenter de moi sur ma sexualité. C'est ma sexualité que vous avez choisi de commenter. Au lieu de commenter mon travail, je suis auteur de 6 romans. Il y a combien de comédiens camerounais qui ont déjà écrit les romans comme moi? Vous ne parlez jamais de mes ouvrages. Vous venez commenter sur ma sexualité. Que je remplace les hommes. Ça ne va pas avec vous. Aline Zomo, j'ai déjà écrit les romans. Vous ne parlez pas de ça. J'ai même été au salon du livre. Combien de Camerounaises sont déjà allées au salon du livre? Combien? Je ne veux pas connaître son nom parce que c'est tellement moche. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas au niveau de la racaille. Une racaille ne peut pas porter le manteau si. Je ne suis pas avec la racaille. Si c'est la racaille qui commente ma sexualité, je dis que je ne suis pas avec vous. C'est vous qui avez cru que je suis avec vous. Je change les hommes si je veux. Quand vous me voyez là, j'ai au moins 20 numéros de téléphone que les hommes veulent sortir avec moi. Je ne suis pas avec vous. Aline Zomo, je ne suis pas avec vous.
Je fais partie des Camerounais qui payent la taxe d'habitation et la redevance audiovisuelle. Je suis chez moi ici, je n'habite pas chez un homme. Respectez-vous. Vous me parlez de quoi? Auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Je suis dans la bibliothèque française. Mon nom est inscrit dans la bibliothèque française. Vous ne parlez jamais de ça. Mais vous nous pompez l'air avec des comédiens Bamileke qui se transforment en femmes tous les jours. Ce sont eux que vous montrez sur Internet. Et quand vous parlez d'Aline Jomo, vous venez commenter sur ma sexualité. C'est ce que je mérite. Vous pouvez fouiller les fesses des comédiens camerounais? Est-ce que vous pouvez fouiller les fesses des comédiens camerounais qui sont dans l'homosexualité? Vous pouvez fouiller ça. Je suis avec vous. Je vous montre ma vraie vie. Je vis avec un homme 2 ans. Si je le remplace, ça vous étonne? Vous voulez que je le garde longtemps? Je vous ai dit que je veux me marier. Un homme fait 2 ans dans ma vie. Vous voulez que je le garde par rapport à qui? Et par rapport à quoi? Vous connaissez combien d'hommes couchent avec Fleur de Lys par jour? Fleur de Lys vend le piment, non? N'est-ce pas, ma Bangala vend le piment? Elle nous a dit qu'elle vend le piment. Combien d'hommes couchent avec elle par jour? En un an, ça fait combien d'hommes? Et moi, je suis avec un homme depuis 2 ans. Alex, je me montre, il descend dans ma vie. Quand je le remplace après 2 ans, ça vous offusque? Vous pouvez compter le nombre d'hommes qui couillent Fleur de Lys? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous pouvez compter le nombre d'hommes qui couillent les chanteuses de Bikutsi? Vous pouvez compter par an? Vous pouvez compter? Vous n'avez rien à faire? Vous n'avez rien à dire? Je suis auteur de 6 romans, 23 nouvelles. Vous ne commentez jamais sur mon CV. Je sais que ça vous frustre parce que je suis l'une des meilleures Camerounaises avec un CV comme celui-là. J'ai près de 500 sketchs éparpillés sur Internet. Sur TikTok, je cartonne. YouTube, je cartonne avec 10 millions d'abonnés. Vous ne commentez pas ça. Vous parlez de ma sexualité. Vous pouvez compter le nombre d'hommes qui couchent avec Fleur de Lys? Si je remplace un homme tous les 2 ans, ça vous étonne? Vous vous occupez de ma sexualité, il y a un problème là-dedans. Vous avez cru que je suis comme vous? C'est vous qui avez les difficultés. En Europe, il y a les filles qui font 4 ans, 5 ans. Aucun homme ne la drague. Aucun homme. Les hommes ne veulent pas toucher. Les hommes ne veulent pas draguer n'importe quelle femme. Une fille comme moi, je brille comme une fille de 20 ans. Vous venez contrôler les hommes qui sortent avec moi. Vous êtes sérieux? Que j'habite chez un homme. Je suis en train de payer la redevance audiovisuelle et la taxe d'habitation. Vous me dites que j'habite chez un homme. Vous ne connaissez plus la maison aussi. Vous ne connaissez plus les mouchoirs carrelés. Je suis chez quelqu'un ici. Je suis chez un homme ici. Je suis chez un blanc. Vous êtes sérieux? Vous les Camerounais? Vous n'avez rien à dire? Donc si maintenant vous voulez dire que je ne dois plus coucher avec les hommes, je vais alors coucher avec quoi? Hein? Je vais coucher avec quoi? Tous les ans, je change un homme. Moi, j'ai payé la redevance audiovisuelle. Ça ne fait pas une semaine. On paye encore la redevance audiovisuelle. Je cherche ma vie. Je ne reçois aucun salaire des Camerounais. Vous fouillez ma sexualité. C'est quoi? Vous fouillez ma sexualité.
ça vous fait mal. Je sors maintenant avec un Suisse. Ma bombe est ma Suisse. Parce que Chuga Loline m'avait dit que je vais souvent en Suisse coucher avec un homme marié. Il fallait que je lui prouve que elle se trompe. Je couche avec un Suisse. Officiellement. Je ne suis pas la femme de quelqu'un. Je vous laisse. Je vais faire 3 directs aujourd'hui. Je suis déjà arrivé chez moi. Je vais faire 3 directs. Laissez-moi le temps d'aller m'habiller. Je reviens. En short, bien sûr. Vous parlez de qui? Une femme de 53 ans. Les petites filles de 20 ans sont en train de chômer en France. Oh là là! Bonjour Nathalie, je t'aime. Je suis revenue. Je suis revenue, je n'avais pas ton numéro. Je dis, hé, hey, Andiga, Aïla. Vous savez qu'il y a les femmes qui chôment en France, que les moisissures sont en train de pousser dans l'appareil. Les hommes ne les draguent pas. Elle monte et descend. Aucun homme ne la drague. Et vous, vous avez la chance que Tata Aline, je brille encore. Je brille encore. Un homme m'appelle. Il a son agent. Il dit qu'il veut partager ça avec moi. Vous venez commenter que je sors avec les hommes. Hey, vous êtes sérieux? Vous commentez les choses des mamans. Est-ce que c'est le mari de quelqu'un? Hein? Vous voulez que je m'habille en short avec les vieilles babouches? Je viens faire sur Internet comme ça. C'est ça que vous voulez? Là, vous allez me vanter partout. Vous nous imposez les cons, les abrutis, les idiots. Vous avez vu que je peux chômer? Je peux chômer? Ah. Et même au Cameroun, hein, quand elle va commencer à couiller avec les ministres, vous allez pleurer. Les ministres me draguent là, ici, là. Je vais commencer à couiller avec les ministres. Vous allez pleurer le tout là. C'est le tout là que vous allez pleurer. Vous commentez sur ma sexualité, je donne encore. Je donne. Langue, je donne. Vous parlez mes affaires. Que Tata Aline a changé un homme. Le tata que vous ajoutez souvent, c'est pour les fous. Vous m'appelez tata, vous parlez de mes affaires. Et les hommes vous manquent de respect parce que vous les suppliez. C'est vous qui suppliez les hommes. Hein? Je te dis, il faut que Dieu localise les Camerounais. Vous avez toujours la poisse. Vous avez la oura. Est-ce que j'ai la oura? Je connais soigner la oura. J'informe les Camerounais parce que vous voulez seulement insulter les gens. Je suis une thérapeute. Je vous soigne la poisse. Et moi, je suis en train de vous montrer que ça donne. Je soigne les filles qui ont la poisse. Vous qui avez la poisse, écrivez-moi, on traite le dossier. Je peux vous aider. Vous allez m'insulter alors que j'ai la solution. Ah. Il faut que Dieu vous localise dans le sang de Jésus. Vous avez la poisse. Toutes les femmes n'ont pas la poisse. On vous a dit de garder la peau. Vous avez commencé à changer le teint. Ne faites pas attention, ça c'est le téléphone qui fait ça. Je suis encore noire. Quand mon sang coule, on voit. Je suis encore noire. Je suis encore noire. Vous parlez de quoi? Vous avez la poisse, l'appareil est gâté. Il faut nettoyer l'appareil pour que l'homme s'intéresse. Moi, je peux vous trouver les solutions. Vous allez commenter que je change les hommes. C'est le qui veut.
le qui veut. L'Europe n'est pas facile. Hein? L'Europe n'est pas facile. Tu montes, tu descends. Et si même si tu es habillé, comment? Un homme ne te guette pas. Les hommes, ils s'en foutent. J'ai le secret. J'ai le secret des hommes. J'ai étudié l'homme. J'ai dit à l'homme, tu méprises la femme, ça va s'arrêter sur moi. Je traite les hommes. Les hommes aiment les femmes qui les traitent. Venez me voir. Ne commentez pas. Le Congo, ça ne fait rien. Je suis en poste. 53 ans. J'ai 54 ans en janvier. Pour ne pas vous choquer même, je ne peux pas vous donner... J'ai une longue liste de dragueurs. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein? Et ce n'est pas n'importe qui. Parce que moi, je dois manger ici. Je dois bien manger. Je suis allée faire mes courses. Pour manger comme ça, là, c'est l'argent. Ça, c'est le porc. Et ça, c'est le poulet fermier. Pour manger comme ça, c'est l'argent. Tu ne me dragues pas si tu n'as pas l'argent. Vous venez défendre un Français, je lui dis de me donner l'argent, il perd le temps. Je joue avec l'homme. Quand je chasse l'homme, c'est l'homme qui n'a pas l'argent. Il ne veut pas me donner l'argent, il part. Et peut part, je le remplace. Vous parlez des affaires de qui? Je suis venu en France m'occuper des hommes. C'est un homme qui doit s'occuper de moi. Un homme doit s'occuper de moi. Je suis venu m'occuper des hommes ici. Je suis venu donner la nourriture aux hommes. Quand je chasse l'homme, il y a un problème. Je vais rester avec un homme pour vous faire plaisir. Vous êtes qui? Vos mamans. Vos mamans. Vos mamans. Maudia. Je reste avec un homme qui ne me donne pas, qui a quel problème. C'est ça que je cherche. Regardez mon appartement. Il faut que je paye mes charges. Je suis venu supplier les hommes. Un homme est géant. Les mains sont bloquées. Je discute. Ma petite soeur, je ne discute même pas. Je peux aussi. Je parle aussi comme ça là. J'étais en Suisse. J'ai acheté deux manteaux. Vous connaissez le prix des manteaux? Vous parlez de bon couple. Occupez-vous de votre sale vie. Toi, tu formes un couple avec qui? Vous formez le couple avec qui? Vous n'avez pas honte que c'est moi. Vous venez commenter sur ma vie, une femme de plus de 50 ans. C'est moi qui viens vous montrer les hommes. Vous n'avez pas d'hommes dans vos vies. On va commenter vos vies quand? On va commenter vos vies quand? Vous n'avez pas honte? Les petites filles de 20 ans, c'est vous qui devez nous montrer comment ça se passe ici dehors. On voit les vidéos, deux filles sont en train de cogner le cocorico. C'est ça que vous voulez qu'on voit? Pour vivre en France, il faut avoir l'argent. J'ai dit que je vais laver les habits. Je suis parti acheter ça. On ramasse ça. On ramasse les produits ici en France. Et je dois faire semblant pour vous faire plaisir. On ramasse ça. J'ai ramassé. C'est l'argent. Tu ne peux pas vivre en Europe si tu n'as pas l'argent. Les hommes sont en train de vous exploiter sexuellement parce que vous êtes les Mboutoukou. Même au Cameroun, je ne m'amuse pas. Quelqu'un qui veut me draguer au Cameroun. J'ai dit au Cameroun, un homme ne me drague pas s'il n'a pas. Je suis venu accompagner les gens sur terre. Je ne peux pas acheter le terrain. Je ne peux pas acheter la voiture. Même manger, je ne peux pas manger. Je ne peux pas bien m'habiller.
Donc je ne dois pas être bien habillé. Mais un homme là, il te crée le poster la nuit. Hein? Pose le pied là-bas, pose encore l'autre là-bas. Pip, et toi tu es là, tu as faim. Oh, vas-y. Tu as faim. Ça c'est pour vous, ce n'est pas pour moi. Vous commentez sur ma vie. Il y a un homme qui vient de me draguer là. Il y a un homme qui vient de me draguer. Il me dit qu'il va m'acheter un autre manteau. Que je suis belle avec le manteau aussi. Vous commentez sur la vie de qui? Je n'ai pas de problème avec Alex. Hein? Alex, c'est mon ami. Il paye encore les factures ici. Hein? Il paye les factures ici. Vous, vous aimez commenter dans la vie des gens. Comment? Vous croyez que quoi? Je suis venu donner l'appareil gratuitement dans ce monde. La dernière personne qui a profité de moi, c'est mon ex-mari. C'est, les hommes vont payer pour ce que j'ai fait pour lui. Je lui ai donné les papiers, genre, les hommes payent. Là où moi je suis là, même le bonjour c'est payant. Je n'ai pas le temps de. Est-ce que j'ai le temps de saluer les hommes? Tu me salues, il faut que tu aies l'argent. Je me dis bonjour, pourquoi? Allons faire les courses. Et je te teste dans un magasin. Je prends la marchandise pour 100 euros. Pour que le premier test parle. Là, je t'écoute ce que tu veux me dire. Tu ne veux pas, tu laisses. Je m'en fous. Je m'en refous. Je n'en ai rien à foutre. J'avance. Pour me draguer. Vous parlez de quoi? Attendez, je viens vous montrer mon manteau. Nous faisons les vidéos. Il faut qu'on soit bien habillé. Et un homme va venir monter sur moi pour rien. Alors que moi, je dois être bien habillé. Voici l'autre manteau que j'ai acheté en Suisse. Et un homme va venir monter sur moi. J'ai la maison, j'ai les papiers. Je cherche les hommes. Honnêtement, on parle maintenant calmement. Vous savez que j'ai les papiers, non? Attendez. On va parler pas à pas. Vous qui commentez sur ma vie. Et Marc. Ça, c'est un sac Lancel, non? Vous connaissez les sacs Lancel, sinon? C'est moi qui dois porter les faux sacs. Ça, c'est un sac Lancel. Ça, c'est un portefeuille Lancel. C'est le prix d'un sac. J'ai les papiers français, je suis né en France. Je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être que là, vous allez comprendre ma vie. Je suis né en France. J'ai les papiers français. Et ça, c'est mon appartement. Quand un homme me drague, c'est pour venir faire quoi? Quand un homme me drague, avec tout ce que j'ai déjà là, il vient chercher quoi? Est-ce que j'appelle un homme quand je suis en route? Les hommes qui me draguent, vous me draguez, c'est pour chercher quoi? Vous cherchez quoi? Je peux obliger un homme à me draguer. Ça, c'est mon porte-monnaie.
Givenchy. Il faut toujours que j'ai l'argent. Quand un homme est là, il cherche quoi? J'ai les papiers français. Je suis belle. Et je suis sexuellement potable. Ce n'est pas parce que Fleur de Lettre, je tourne les reins. J'ai dit que moi, je tourne les reins à un homme, il perd la tête. Un homme drague, c'est pour faire quoi? Non, parlons à voix basse. Quand un homme drague, il cherche quoi? Vous voulez commenter ma vie? Je vois que vous voulez seulement occuper Internet. Comme on dit que tout est payant maintenant. Un homme qui me drague cherche quoi? Est-ce que j'oblige quelqu'un à me draguer? Vous-même dites-moi. J'aime bien manger. Quand un homme vient me draguer, c'est pour faire quoi? Est-ce que j'ai déjà une église? Quand vous parlez de moi que j'aime trop la vie. Quand un homme me drague, est-ce que j'ai une église? J'ai l'église. Les hommes me draguent, c'est pour faire quoi? J'ai les papiers français. Je suis belle. J'ai mon appartement. Quand un homme vient me draguer, c'est pour faire quoi? C'est pour dépenser. Si tu ne peux pas dépenser, ne drague pas la femme. Cherche l'argent. Regardez tous les atouts que j'ai dit là. Moi, je ne cherche pas les papiers. Hein. Au nom de Dieu, je ne veux même pas qu'un homme me salue. Mais comme je suis prête, j'achète des manteaux chers comme ça là. C'est pour qu'un homme qui a l'argent me drague. Tu n'as pas l'argent, tu viens me draguer. Et après, tu viens m'expliquer que tu n'as pas l'argent. Donc, j'ai le temps d'écouter. J'ai le temps. Je suis pressée. Je n'ai pas le temps. Tu viens me draguer. Et tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas l'argent, tu viens me draguer. Je viens vous montrer quelque chose. Un homme qui vient me draguer, regardez, c'est Dior. Je vais vous montrer le prix de mon sac. Les hommes qui veulent me draguer, c'est Dior. J'ai la facture. Les hommes qui veulent me draguer. Dior. Vous avez vu le prix du sac? 2992 euros. Voici le prix de mon sac. Tu veux venir me draguer pour rien? Vous n'avez rien à dire sur Internet. Hein? Vous n'avez rien à dire. Vous n'avez rien à dire. Ça, c'est mon cadeau pour mes 53 ans. Les lunettes sont aussi Dior. Hein? Dior que Dior. CD. Dior que Dior. Et tu viens me draguer, tu n'as pas l'argent. Vous savez lire, non? Dieu que Dieu. Là, c'est Dolce & Gabbana. J'ai les articles. Tu viens me draguer, tu n'as pas l'argent. Et tu es blanc. Et je dois rester avec toi parce que vous allez commenter que la mère là, elle est trop tranchante. J'ai peur de vous. Est-ce que j'ai peur de vous? Hein? J'ai peur de vous. Si tu n'as pas l'argent, ne me drague pas. Hein?
C'est sérieux, hein? Même les pointes sont en Christian Dior. Vous savez lire, non? Vous parlez de quoi? Donc, moi, à 53 ans, je dois encore continuer les trucs que toute ma jeunesse, je suis sortie avec les Camerounais pour rien. On disait que non, on ne doit pas demander l'argent aux hommes. Ça présente mal. Toute ma jeunesse, et Dieu seul sait, j'étais belle. C'est maintenant que je profite de ma beauté. Toute ma jeunesse, gratuitement. Et j'étais belle, hein. J'étais belle, hein. Si vous voyez une femme à 53 ans, elle est encore belle. Sachez que quand elle était jeune, les herbes ne poussaient pas. On dit que non, ne demandez pas l'argent aux hommes. Quand j'ai grandi, ma génération de femmes, nous on a fait l'amour pour rien. Et aujourd'hui, je dois continuer. Vos mamans, je dois continuer à faire ça. J'aime l'argent. Je ne vous mens pas. L'argent. Même le bonjour, c'est payant. Mon bonjour est payant. Je n'ai pas d'état d'âme. Ça me concerne. Quand je paie les factures, vous n'êtes pas là. Je n'ai pas d'état d'âme. Un homme qui me drague paye. Et je suis quoi? Deux ans, c'est beaucoup. Hein. Je vais continuer à le garder. Je suis le secours catholique. Je suis le secours populaire. Je suis l'abbé Pierre. Chacun va aussi chez lui. Je reste chez moi. Vous ne voyez pas que j'ai un peu grossi? Et est-ce que Alex vous a dit que ça le dérange? Ça ne le dérange pas. On s'est séparés en bonne intelligence. Je vous dis qu'il paye encore les factures ici. On s'est séparés en bonne intelligence. Si je veux aller chez lui, je pars. Mais je ne marche pas pour rien. Même pour aller chez quelqu'un, je veux savoir ce qu'il va me donner en retour. C'est gâté. Je vous dis que c'est gâté. Je suis formatée maintenant que toute ma jeunesse, j'ai couché pour rien. Je suis en train de vieillir. Je ne couche plus pour rien. Je prends tout. Si tu peux me donner l'argent, donne-moi la nourriture. Tu me charges. J'ai le frigo et le congélateur. Tu charges ça. Tu entres dans ma maison. Si tu ne peux pas charger ça, ne viens pas. Moi, je dois bien manger. Si vous êtes encore au niveau que vous faites sans job, vous êtes jeune. Vous avez le temps. Vous êtes jeune. Vous avez encore le temps. Pour moi, là, ce n'est pas bon. Je ne peux pas me déshabiller si je ne vois pas l'argent. Jamais. Je me déshabille. Même seulement enlever seulement le premier bouton aussi. Je ne cherche pas les hommes. Je ne cherche pas les hommes. Je ne cherche pas les hommes. Je ne suis pas dans la prostitution. Mais un homme qui me drague, tu veux venir chez moi? Il faut que tu assures les dépenses. Vous croyez que la vie c'est comme ça? Vous voulez seulement commenter sur ma vie? Vous voulez seulement me mettre aussi que vous faites le Congo ça? Vous avez assez de parler du garçon qui marche t-shirt, torse nu, avec les vieilles babouches et les vieux shorts. Vous avez assez de parler de lui? Ou bien les comédiens qui sont efféminés là? Vous parlez de moi qui a quoi? J'ai fait quoi? Je vous laisse, il faut que je fasse à manger. J'ai faim. Ma rosier. J'aime trop quand j'arrive chez moi comme ça, là. Je prépare une bonne nourriture, je mange aussi. Tout ça, c'est important. Je vais faire à manger, c'est vrai. Vous voulez aussi parler de moi que vous avez aussi parlé de d'Aline Zomo. Je ne gère pas les détails.
Tu sors avec un homme, il dépense 500 euros, il croit que c'est l'argent. C'est l'argent. 500 euros, c'est l'argent. Est-ce que 500 euros, c'est l'argent? Tu viens me trouver chez moi, j'ai les papiers français, j'ai l'appartement. Tu sors 500 euros, tu pleures. Et je dois supporter ça. Que tu aimes trop l'argent. Ngeping, je t'ai appelé. Il me loua. Je vous laisse. Je suis de retour. Je vous aime. Vous voulez aussi parler de moi, parler. À plus tard. Ciao. Je reviens, je m'en vais me changer.